Bonjour, monsieur Fidèle. Le nom de mon père, c'est le nom du papa du savant de la République, Eddy Malou. Renaissance africaine comparée à la Renac. Vous appelez comment? Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou, E-D-D-Y, trait d'union M-A-L-O-U. Afrique, cette rubrique qui s'appelle Le Débat est un instant que vous attendez tous. On ne dérogera pas la règle. Le timing est de 6 minutes chrono. On va faire comme au Gondwana, on va respecter les règles. Et nous avons décidé aujourd'hui de nous transporter au cœur de la société gondwanaise. J'accueille les débatteurs du jour. Le grand débat, c'est maintenant. Le thème, les Gondwanais ont-ils le cœur au fait? L'heure est grave, car ce débat, aujourd'hui au cœur de la société gondwanaise, mais face à face, à ma droite, Madame Zouzoua, commerçante à Gondwana City. Madame Zouzoua, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir également eh bien, à Monsieur le ministre de l'économie et des finances du Gondwana. Ministre de l'économie, des finances et des bonnes affaires. Qu'on appelle aussi shipper, arrête de shipper. Nous avons construit plus de 3 650 000 logements sociaux. Il parle de quoi là, toi? Il parle de quoi? Les gens qui, comme Madame Zouzou, Zouzoua s'il vous plaît. Madame Zouzou. Je vous recommande des bons climatiseurs. T'as pas l'argent, y'a pas courant, ça coupe tous les 5 minutes. Mauvais esprit comme Madame Zouzou. Zouzoua. Quoi qu'il voulait. On a plus d'argent, monsieur le Gondwana, en fait. Tout ce que vous dites là, c'est zéro. Madame Zizi. Mais attends, c'est quoi ces oui. Qui est Madame Zizi là? Écoutez, c'est un débat qui doit être civilisé. Si je n'arrive pas à aller au bout de mon raisonnement et que je sois interrompu par Madame Zaza, on va pas finir. Madame, s'il vous plaît. Monsieur Bamako, essayez de calmer cette dame. Vous êtes malade, il est bête ou quoi? Ils ont fait depuis dans votre tête. Monsieur Brazzaville. Monsieur Brazzaville, s'il vous plaît. Une bonne santé. 5 fruits par jour. Mettez les poupettes. Hein.
pardon, tais-toi. Je Ce débat va se poursuivre au commissariat de police pour Madame Zaza. Zouzoua. Il a montré à tous les Gondouanais son sens civique. Le président du Gondouan doit quitter le pays. On est fatigué, monsieur. Il est un personnage, vous l'avez peut-être déjà aperçu, car justement, il ne passe pas inaperçu. Étienne Nelson est amateur de bolidage, à savoir du tuning, et c'est vraiment très étonnant. Étienne Nelson a 68 ans. Il y a 26 ans, il achète sa première voiture, une simple Ford Sierra. Vega pour la planète de l'univers, missile pour la puissance que son véhicule dégage. La voiture est baptisée. Étienne Nelson change le moteur, la carrosserie. Son objectif, rendre la voiture aérodynamique. J'ai abandonné l'horlogerie pour me lancer dans la Vega Missile. Le problème, c'est que vous êtes obligé d'aller plus vite que les autres. Alors donc, je me suis rendu compte, il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Pour se passionner, la Vega Missile est unique. C'est là qu'une drôle d'histoire commence. Vous êtes dans un autre monde. Ça vous donne une poussée. Vous êtes sur une autre galaxie. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roue qui explose, s'il y a la même chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout.